il le demandait depuis si longtemps. En juin 2020, l'émission TPMP People sur C8 était déprogrammée. Diffusée le vendredi à 17h45, elle était présentée par Mathieu Delormeau. Mais voilà que l'animateur et chroniqueur de Touche pas à mon poste annonçait dans la foulée son départ du programme de Cyril Hanouna, je m'amuse toujours autant dans TPMP. Mais je préfère partir en me disant que tout va bien plutôt que de me dire un jour que je ne m'amuse plus. Au fond, je suis content de partir après une saison joyeuse, expliquait-il aux Parisiens. Mais son départ était-il lié à la déprogrammation de son émission? Pas du tout. Tout cela est devenu clair dans ma tête avant la crise du coronavirus. Et l'arrêt de TPMP People a été décidé quand C8 a dû s'adapter aux conséquences économiques. Pour être honnête, j'aurais aimé que l'émission continue, reprise par Valérie Benahim. Benjamin Castaldi ou Jean-Michel Maire, regrettait l'animateur. Depuis, celui qui présentait Tellement Vrai sur Énergie 12 s'est fait discret. Ses fans étaient d'ailleurs nombreux à demander son retour dans TPMP. C'est chose faite. Ce lundi 30 août, pour le premier numéro de la saison 12 de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau a fait son grand retour. Pour cette rentrée, une nouvelle séquence, baptisée Les Flingueurs du PAF, était présentée, dans laquelle des invités débattent sur un sujet sociétal. Ce lundi, le thème était « Êtes-vous pour ou contre l'accueil des réfugiés afghans ?» et pour lequel le beau blond a donné son avis. Un retour gagnant pour Mathieu Delormeau qui a été salué par les internautes. En effet, sur Twitter, ils ont été nombreux à accueillir cette nouvelle positivement, oui, Mathieu Delormeau. Retour de Mathieu Delormeau sur TPMP. Trop Delormeau, merci pour ton retour, tu manquais trop à l'émission. J'espère que Mathieu Delormeau ne sera pas seulement dans Les Flingueurs du PAF. Et qu'il sera aussi autour de la table, Delormeau, enfin le meilleur, plus drôle du PAF est de retour. La saison 12 de TPMP avec le retour de Mathieu Delormeau et toute l'équipe, c'est vraiment le feu. Des messages qui vont certainement faire plaisir aux principales concernées.